tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent « Faits divers », une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir le mystère du bois grand, une histoire criminelle de Jean Bomard et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Histoire criminelle de Jean Bomard, avec Suzy Prime dans le rôle de la belle Martine et Hubert Deschamps dans le rôle de Louis Bayet, avec Roger Carrel, Henri Virlogeux, Paul Fèvre, Ginette Franck, Geneviève Morel, Fernand Rosena, Raymond Pellissier, André Vasselet, Yves Duchâteau et Jean Touloup dans le rôle du procureur. Ah, tu sens l'écurie, mon vieux, mais on s'arrête d'abord ici à maman, hein? Oh là! Oh là. Salut la compagnie! Bonsoir, monsieur Bayet! La compagnie, c'est moi toute seule, vous voyez? Ben, ma foi, j'en sais qu'ils s'en contentent très bien de cette compagnie-là toute seule, Rosette! Bah, les pattes! Sans vous offenser, monsieur Bayet. Madame Desplats n'est pas là? Que si, mais la voilà. Oh! Et comme d'habitude, moi je vais voir dehors si j'y suis. Bon amusement, monsieur Bayet. Salut. Et dis donc, tu l'as bien dressée, ta boniche. Elle est futée, cette garcière. Un peu trop. C'est de l'assistance publique. Si elle a la langue trop longue, je la fous à la porte et j'en demande une autre. Qu'est-ce que tu veux, Louis? Boire un coup de blanc à l'auberge du Bois Grand, tenue par la belle Martine. C'est permis, je pense. Oui, mais... Jean va rentrer des pommes de terre pour besoin qu'il te trouve ici. Allez, donne une bise à ton gros Louis. Et cette nuit? Si tu veux. Ah, et toi, tu veux? Pardieu. Mais tu gratteras au cas où que je t'ouvre la fenêtre. Je laisserai le volet entrouvert. Il y a 8 jours, en cognant dessus, t'as réveillé le chien. Grande brute. Eh ben, et tant que c'est pas ton mari. Lui, il s'y frotterait pas à se réveiller. Il est plus beau qu'à dormir. Ah, mauvaise, je t'adore. Allez, il y a temps pour tout. Tu m'expliqueras ça cette nuit. Ouais. Dis donc, ta femme, la Victorine, qu'est-ce que tu lui racontes quand tu les couches? Que je vais en contrebande du côté de Saugue. 3 fois sur 4, c'est vrai, mais la 4e, c'est pas le même tabac. Allez, file, Jean va rentrer, je te dis. Ouais, ben tu devrais le mettre au pas, ton fils, de quoi qu'il se mêle? Allez, gros, quoi? Ben, je crois que le voilà. Bon, maîtresse des plats, allez, je m'en vais. Et c'est pas ton genre, c'est un client, un nouveau, une figure que je connais pas. Vas-tu filer, oui? Ouais. Salut. Bonsoir, la patronne. Bonsoir, monsieur. Vous désirez? Une chopine et du meilleur. Du rouge ou du blanc? Oh, c'est Christy. On m'avait dit du bien de vous, mais c'est alors. Rouge ou blanc? Oh, ce que vous voulez. Oh, sans vous offenser, madame Martine, alors. Jamais de ma vie, j'ai vu aussi belle femme que vous, alors. C'est en perdre le boire et le manger, parole. Voilà du rouge. Vous êtes galant, parce que je vois. Madame Martine, sur l'honneur, alors.
Jamais. Et pourtant, j'en fais du chemin avec mes bêtes dans le département tout le long de l'année sans m'arrêter. J'en vois des filles aller. Mais à côté de vous, alors. Oh, ma foi, on ne sait que dire. Et quels beaux yeux, là. À ressusciter un mort. Je crois pas vous avoir jamais vu, monsieur. Monsieur Chabusque, Edouard. Non, madame Martine, c'est la première fois que je prends par ici. J'ai fait un détour pour vous voir. Ah, mais je le referai chaque fois maintenant, là. Quel beau bras rond, là, solide et blanc comme du lait. Elle est là, monsieur Edouard. Non, mais excusez, mais vraiment, alors. Madame Martine, si vous habitiez la ville, les gens se retourneraient, je vous jure. Un autre verre ? Oh, 3, 4, 6, là. Rien que pour voir ces beaux bras les verser, là. On en mangerait, là. Mais j'y pense, là, il se fait tard, alors je pourrais... Auriez-vous des chambres la nuit ? Non, nous ne faisons que buvette, voyez-vous. Dommage. Eh oui, alors, quel dommage. Mais dites-le, si j'osais vous demander un service. Allez-y, vous êtes un homme bien plaisant, monsieur Edouard. Un de mes chevaux s'est blessé au boulet, là, j'ai peur que ça ne fasse vilain. Là. J'ai là un pot de pommade finiquée. C'est ça que vous désirez? Ah, madame Martine, vous vous connaissez en chevaux par-dessus le marché, une dame comme vous. Ah, les miens sont beaux, vous savez. Un percheron pur sang, surtout, la primée au concours, si vous voyez ça. Vraiment? Si vous vouliez jeter un coup d'œil. Il en vaut la peine, je vous assure. Eh bien, si ça vous fait tant de plaisir, je pourrais... Voilà, madame. Je sors une minute, prends ma place au comptoir. Bien, madame. Prenez le pot, monsieur Edouard. Merci. Je vous suis. Merci, madame, merci. Un de plus, allez donc. Et moi, si j'ai le malheur de ne pas baisser les yeux quand passe un garçon à la messe le dimanche, je me fais traiter de gourgandine. Dans 4 jours, c'est Noël. Dans 10, le nouvel an. Ça promet d'être gai le nouvel an en 1902 dans cette affreuse cambrousse. Ah, oh, ben oui, alors. Ça, monsieur Jean. Bonsoir. Je me suis crevé à arracher ces patates. La terre est gelée dans la côte du dessus. Vous voulez boire? Mais ça fournit bien cette année, la patate. J'ai un champ qui nous donnera peut-être bien 6 quintaux. Non, verse-moi à boire de notre vin à nous. Et pas à ce comptoir, là, à ma table. Ma mère est là? Oui. Non, pas pour l'instant. Où qu'elle est allée? À la grange, je crois. Avec qui? Un charretier. Vous avez dû voir l'attelage. Lequel? Un nouveau. Il a un cheval qui... Oh, par exemple! Oh, monsieur Jean, tout va perdre, reculez-vous, vite! Votre pantalon! Non, tenez, là, un torche! Oh, non! Mais où allez-vous? Essuyez-vous, ben, attendez! Ça, par exemple! Là, bien sûr! Ben, pourquoi vous mettre dans un état pareil? C'est pas la première. Oh, j'en peux plus, moi, faut que ça finisse! Vous n'y pouvez rien, ni personne, vous le savez, vous! Je vais foutre le camp! Oh, non! Voyons, monsieur Jean, faut être raisonnable! Faire votre vie, à vous. Oh, faire ma vie? Qu'est-ce que tu chantes, là, toi? Ce que je pense, vous êtes grand et bien bâti et fort comme un taureau. Il n'y a pas un garçon qui puisse vous tenir tête à 10 lieues à la ronde. Faut chercher une fille et vous marier. Vous avez-il pas l'âge? À 22 ans? Marier, moi? Oh, merci bien. Mais les filles sont pas toutes comme... Enfin, n'allez pas vous faire des idées. Il y en a des sérieuses, des travailleuses. Et qui regarderaient point un autre homme une fois marié. Tenez, moi... Oh, te voilà! File, Rosette. Mon Dieu, soyez raisonnable. Qu'est-ce que le baillet faisait encore à fouiner par ici? Lui, baillet? Il venait de Saugues, avec sa carriole. Ça fermait pas à 1 kilomètre, il peut pas boire chez lui, non? C'est drôle, Jean, si un voisin a envie de prendre un verre. On dirait une buvette, après tout. Tiens. Ah. Voilà, monsieur Chabusque. Edouard, pour les dames. Je boirais bien un coup à la santé de celle que voilà. Parce que vous êtes aimable, monsieur Edouard. Dehors, toi. Bah, qu'est-ce qu'il y a, hein? Allez, fous le camp, vite, ou je te casse les reins. Mais qui c'est, celui-là? C'est mon fils. Jean, tu es fou. Ah, oh. C'est votre fils, ah bon. T'as compris, oui? Non, mais du moment que c'est votre mère, bien sûr. Allez, fous le camp, et puis que je te vois pas. Tu deviens chaque jour de plus en plus idiot, mon pauvre Jean. Non, mais dis, combien qu'il t'en faut, maintenant? Combien qu'il t'en faut, non, mais... Combien qu'il t'en faut, dis? Le premier pas s'en venu maintenant. C'est à moi, à ta mère que tu dis ça? Oh, le baillet n'est qu'un habitué, n'est-ce pas? Avec n'importe qui, c'est plus piquant. Tu vas te taire? Non, je peux pas me taire. J'en ai assez, moi j'en ai plus qu'assez. Voilà,
Voilà, on ouvre une auberge, elle commence à marcher, et il faut que j'ai un fils impossible qui flanque les clients à la porte. J'en veux plus de cette sale buvette, moi j'en ai jamais voulu. On le sait. Alors occupe-toi de tes patates, soigne tes vaches, et laisse-moi gagner deux fois autant d'argent que j'en... Où c'est qu'elle perd? Ton père, où veux-tu qu'il soit? Là-haut, dans sa chambre, avec sa bouteille. Hé, hey, va, va, va accuser ta mère. Va, va, mauvais fils. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mettre au monde un enfant pareil? Un meuré. C'est bâti comme un géant, mais la tête aussi creuse qu'une citrouille. Quant au cœur, n'en parlons pas. Tu dois pas savoir seulement ce que c'est. C'est toi, Jean. T'as fini le croque-pâté? Non, père, et c'est pas moi qui le finirai. Et qui ça, donc? T'embaucheras un ouvrier, moi je m'en vais. Allons, bon. Là que ça te reprend. T'as donné à François, mon aîné, quelque chose sur sa part d'héritage avant qu'il parte pour Clermont. Fais la même chose pour moi. Non, mon gars, ça y a rien à faire. Mais c'est mon droit que je demande. Non, mon fils, c'est pas ton droit. Parce que c'est pas du tout pareil. Le François, d'abord, il était guère costaud pour le travail de la terre. Oh. Et puis notre cousine Honorine a clairement le voulait pour son épicerie. Elle n'a pas d'enfant. Elle a des sous, j'ai pas pu refuser. Mais tout ça, je l'ai bien 10 fois que je te le dis. Donne-moi de l'argent, comme à lui. Je suis le cadet, bon. Mais j'ai droit autant que lui. T'as droit à rien du tout de mon vivant. Et puis quoi, voyons, ça n'a pas de bon sens, nom de nom. Qui c'est qui ferait marcher la ferme, toi, parti? Moi, tu sais bien que je peux plus, j'ai les jambes enflées. Te prendre un ouvrier? T'as de quoi? Et puis, il volera, il gâchera tout. Mais qu'est-ce que t'as dans l'idée, mon pauvre garçon, pour raconter ça tous les 8 jours? T'as quelque chose de fêlé dans le cerveau, pour sûr. Je veux m'en aller, que je te dis. Il faut que je m'en aille. Et moi? Est-ce que je peux m'en aller? Hein? Comme s'il y avait un seul homme au monde qui puisse faire tout ce qu'il veut. Allons, allons, c'est ta ferme ici. T'as qu'à patienter un peu. François, il aura l'argent. Toi, la terre. La terre, ça tient, ça s'envole pas. Tu vas pas aller gueuser à la ville ou faire le valet chez les autres en laissant dépérir ton bien, non? Allons, fils, tiens. Bon coup. Quand je pense que tu supportes le baillet, et puis ce charretier qui était là tout à l'heure... Eh, dis, c'est 20 autres, bien sûr. Oh. Et le moyen de faire autrement. Qu'est-ce que tu voudrais, hein? Que je la chasse? Et alors, qui tiendrait la maison? Un divorce? Alors, adieu ma ferme. Les avocats, pour lui donner sa part, il mangerait le reste. Je suis pas fou. Non, mais te supporte tout ça. Mais je te répète qu'elle est née comme ça, la Martine. Oh. C'est pas qu'elle est mauvaise. Mais je suis vieux, malade à présent, et elle en pleine force. Qu'est-ce que tu veux? Faut être juste et voir les choses comme elles sont. Et puis, comme on fait son lit, on se couche. Quand je l'ai épousée il y a 23 ans, c'était pas parce que c'était une sainte femme, tu penses? T'as pas à me dire des choses pareilles à moi, son fils. Et puis toi, t'as pas à me les demander ni à juger ta mère. Oh, ça me dégoûte, moi, ça me dégoûte, je te dis que j'en ai assez. Jean! Jean! Oh, puis je m'en fous. Je me fous de tout à présent. Qu'est-ce que tu fais avec ce fusil, Jean? Je vais coucher avec lui. Qu'est-ce qui te prend? Il y a des rôdeurs dans le pays. On a volé des moutons à la ferme de Plassin. Par exemple, qu'est-ce qui t'a dit ça? Et notre pauvre chien qui vient de crever. Il se pourrait bien qu'un mauvais gars l'ait empoisonné. Mais je vais acheter un policier à Saugues. Un vrai, qu'on lâchera la nuit. En attendant, j'ouvrirai l'œil du soir au matin. Et si je vois un type rôder, pan! J'y fous un coup de chevrotine en plein museau. Mais tu es fou! Tu vas te faire guillotiner ou aller au bagne? Pas du tout! Légitime défense! Mon Dieu, ça y est, il est fou! Mais écoute, Jean, écoute! Tu diras ça au juge! Et moi, je leur expliquerai pourquoi que je suis devenu fou. Comme ça ira très bien. Ça me déplaît. Je pourrais rentrer chez moi dès maintenant. Avant le dîner? Jamais de la vie, par exemple. Va traire les vaches. On ne te paie pas pour une demi-journée, feignante. Madame Martine,
J'ai peur. Peur? Peur de quoi? Saute. Attends. Attends un peu. Oui, tu vas rentrer chez toi. Seulement... Passe-moi un crayon. Merci. Voilà. Attends. Ouais. Tu passeras chez Baillet. Oui, 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 madame, comme vous voudrez. Voilà. Tu remettras ce billet au Louis. Au Louis lui-même, tu entends? Pas à sa femme, ni en sa présence. Compris? Oui, madame, rien qu'à lui tout seul. Tu peux lire. C'est dans l'intérêt de Jean. Pour qu'il n'aille pas en prison. Ou pire. Oh oui, vous pouvez y compter, madame. Bon, pour ne pas rencontrer Jean, viens. Sors par la fenêtre de ma chambre. Allez, allez, file, file. Oui, madame. Ah, je fais du bois. Une lettre pour toi. Qu'est-ce que tu dis, une lettre, et d'où ça? De Bois Grand. Qu'est-ce que tu racontes? Apportée par la Rosette. La Rosette est ici? Était, oui. Je l'ai vu s'amener doucement le long de la haie, figure-toi, comme une chatte en maraude. Je l'ai attrapée, et je l'ai secouée un peu, histoire de lui faire comprendre que j'aime pas qu'on m'espionne. Oh, toi alors? Attends voir. Pendant l'opération, valait-il pas qu'un bout de papier s'envole de son corsage ou elle le tenait au chaud, cette futée garcière? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Le voilà, ce billet doux. Tu vois? Une feuille de carnet. Et dessus au crayon? Louis, pas cette nuit ni les autres, j'ai trop peur. Jean est capable de faire un malheur. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je me demande qui ça peut être, ce Louis en question. Où elle allait, la Rosette? Chez elle, au hameau du Pigot? Là-bas, il y en a deux, des Louis. À mon avis... Mais non, mais ce culot! Ce culot! Vaut rien! Voyou! C'était ça ta contrebande pour cette nuit? Monsieur allait faire son chat de gouttière à minuit avec la Martine. La Martine des plats, une saloperie, célèbre à Dilieu à la ronde, une pourriture. Ça va, ça va, ça va, allez, rentre à la maison, on va t'entendre de la route. C'est toi qui vas rentrer. Faut-il qu'elle ait du vice plein à la peau, cette salope, pour que tous les hommes lui courent après comme ça. Allez, je te rentre, salope, là, je te dis, rentre à la maison, on va causer. Si je la tais, cette salope, mais bon, oh, elle va à présent, gueule tant que tu voudras, après je t'expliquerai. Explique d'abord. Ça n'empêchera pas de gueuler après, sois tranquille. Ça va mal chez les Desplats, très mal. Pourquoi? Le Henri, il a de l'eau dans les jambes, il se bouge presque plus. Mais il va crever, tout le monde le sait après. Le Jean, il devient fou, il fait des scènes terribles. Pourquoi? Parce que son père lui refuse l'argent qu'il a donné au François. Puis il en veut à sa mère à cause de cette buvette qu'elle a installée à la ferme. Il la déteste. Mais c'est bien fait, cette saloperie. Pour moi, il devient fou, mais alors vraiment fou, enfermé. Le rigolo. Ah, ma foi, ça me fait tant de plaisir tout ça que je peux pas m'empêcher de le croire, même dit par un menteur comme toi. Et alors, ce billet? Eh ben, tu sais lire, non? La Martine en a assez, elle crève de peur. Alors elle m'a demandé de l'aider. Je devais aller la chercher avec la carriole cette nuit pour l'amener à Saugues. Là, elle aurait pris le train pour Paris. Vraiment? Et pourquoi que c'est à toi qu'elle... Pour Paris? Elle veut filer à Paris? Oh, ça par exemple. On pourrait y faire la vie, pardi. Oh, si c'était vrai, quel plaisir! Seulement, si Jean, il apprend ça, il est capable de tuer tout le monde, peut-être bien. Tu crois? Tu le crois vraiment? Ben, regarde le billet. Elle renonce au départ, puisqu'elle dit ni cette nuit, ni les suivantes. Et elle explique pourquoi. Oh, si ça arrivait, j'en mourrais de joie. Tu vois pas que leur fils les assomme tous les deux, elle et l'Henri? Sûr que j'en mourrais de joie. Est-ce que t'en veux à lui aussi, au pauvre vieux? Moi? Je le hais depuis 23 ans. Depuis 23 ans, je rêve que je le vois mort et pourri. Ben ça alors, pourquoi? Oh, je te l'ai jamais dit, mais maintenant, maintenant, qu'est-ce que ça peut faire? C'est moi qui devais être la maîtresse de Boisgrand. La maîtresse de la ferme de Boisgrand, toi? Oui, moi. Moi, Victorine Fougera, fille de Victor. Mon père et le père d'Henri Desplats étaient amis. Voisins, mais amis quand même. Tout naturellement, j'avais 20 ans et Henri venait de finir son service. Il nous avait fiancés, voilà. Oh, bah ben dis donc, ouais. La ferme de Boisgrand, mais elle vaut trois fois celle-ci. C'est pas risqué. Oui. Le père d'Henri était pas regardant, il lui plaisait comme bru. Il avait peur aussi de voir rentrer chez lui une étrangère. Puis j'étais la fille de son ami Victor. Ses terres touchaient les nôtres, fille unique, mariée à Henri, fils unique.
Quel domaine ça aurait fait tout ensemble? Oh ben, crénon, je pense bien, plus de 100 hectares, et sur Bois Grand, c'est presque tout bon. Oh non, de non. C'était d'accord, entendu, promis, juré seulement. Mon père a voulu attendre 6 mois que je sois majeur. Une bêtise de notaire pour économiser 100 francs de frais, peut-être. Et voilà que la mère d'Henri tombe malade, on engage une boniche pour l'aider. C'était la Martine. Aïe, aïe, aïe. Pas besoin de t'expliquer le reste. Le père des plats, il n'y a vu que du feu. Henri, c'était déjà une moule, une pâte molle. 3 mois après. François s'annonçait. Exactement. La boniche avait eu l'astuce d'enjôler le père des plats en même temps que le fils. Il a donné sa bénédiction. Et c'est elle qui a fait l'affaire. Tu comprends à présent pourquoi je n'aime pas les petites bonnes? Pourquoi quand je devrais me claquer à l'ouvrage, il n'y en aura jamais une ici? Eh, je comprends que t'en veuilles à la Martine, oui, oui, oui. Oh, oh, ce que j'ai pu rêver. Imaginez, je me vengeais. Je me rendais justice en rêve. Je mettais le feu à leur grange, une belle nuit. Un été bien sec, avec plus une goutte d'eau dans la mare. Je les grillais tous les deux, comme des cochons. Un soir, j'étais mettre à l'affût avec le fusil du père pour avoir la Martine quand elle revenait du Grand Pré. Mais au dernier moment, j'ai eu peur. Et avec nous comme voisins, j'avais été la fiancée d'Henri. On aurait vu arriver les gendarmes une heure après. Alors, t'es pas folle de dire des choses pareilles. Oh, ma parole! Mais tu as peur. Tu as peur de moi? Eh ben, que ça t'engage à marcher droit, mon bonhomme. Si tu me trompais, toi, tu n'y couperais pas, je te le jure. Bah, écoute, on va boire un verre, on va parler d'autre chose. D'autre chose? Au moment où... C'est bien vrai ce que tu dis de Jean? Quoi? Que le Jean devient fou? Qu'il fait des scènes? Mais t'as qu'à lire le billet, Jean est capable de faire un malheur. Mais tout le monde le sait, et le billet te le prouve, non? Oh, si ça arrivait, mon Dieu. Si ça arrivait... Quoi? Qu'il les zigouille tous les deux. On voit des choses comme ça dans les journaux. Souvent. Et t'emballe pas, allez. Il serait condamné à mort. Ou interné dans un asile, Jean. Et alors, c'est François l'aîné qui hériterait. Un homme de la ville, un monsieur, il a fait fortune à Clermont. Il se fiche bien de cette campagne perdue. Il vendra. Il connaît rien. Nous sommes les seuls, là, c'est près de Bois Grand pour acheter les terres. Acheter les terres. On les aurait pour un morceau de pain, ces pâtures qu'on m'a volées, qu'on m'avait promises. Je les ferai, moi, les 100 hectares. Ah, tu vas. Oh, si je trouve l'occasion, j'irai jusqu'au bout, n'aie pas peur. Mais je pensera peut-être rien du tout à Bois Grand. Allons donc. La Martine qui crève de peur, si bien qu'elle n'ose même plus se sauver. Le Jean à moitié fou, jaloux de son père, jaloux des galants de sa mère, à qui on refuse la part donnée à François son aîné. Quel beau tonneau de poudre. Laisse-moi réfléchir. Il y a sûrement quelque chose à faire. Laisse-moi réfléchir. Les gendarmes, ouvrez, bon Dieu! Les gendarmes! Oh, ben as-tu fini, l'homme des sous, non? Mais venez vite, brigadier, il y a 2 assassinés! 2 assassinés, où ça? À la ferme de Bois Grand! Bois Grand, ici, à 2 bols d'ici! Ici, Henri Desplats et sa femme! Bon, ben je descends, le temps d'enfiler mes bottes, hein, attends! Allez, vite! Philippe Deschaux! Drago, tu viens avec moi! Oui, chef! Duré, va réveiller le docteur Berg! Allez, fais entrer ce type, là! J'ai cru d'abord que c'était un sous-loup qui s'amusait à défoncer la porte. Ah, vous voilà, vous. Qui êtes-vous? Je suis un voisin des Desplats, le seul voisin, autant dire, Louis Baillet. Vous êtes venu à pied jusqu'ici? Oui, en courant tant que je pouvais. Vous avez vu les deux? Vous êtes sûr qu'ils sont morts? Oh, ça oui, c'est affreux. Le Henri, il est dans son lit, la gorge tranchée, quasiment d'une oreille à l'autre. Et la Martine... Il était quelle heure quand vous les avez trouvés? Bah, il y a longtemps? Juste le temps de venir, il pouvait être 1 heure à peu près. 1 heure? Vous êtes allé chez les Desplats à 1 heure du matin. Quoi faire? Eh ben, j'avais cru voir un sanglier traverser mon pré d'en bas au clair de lune, alors j'ai pris mon fusil. Au clair de lune? Oui. Mais c'est nouvelle lune aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, voyez? Ben, mon Dieu, je veux vous dire la vérité, si vous voulez, mais si ma femme l'apprend... Allez, dépêchons. Eh ben, je connaissais la Martine Desplats. J'allais à Bois Grand vers les minuit, quoi. Elle m'ouvrait la fenêtre de sa chambre au rez-de-chaussée. Hein?
C'est vrai, ça? Ah ben, vous avez qu'à demander, tout le monde le sait dans le pays. Bon, on en parlera plus tard. Pas à ma femme, hein, surtout. Oui, oui, allez, 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 en scène, Fagon. Alors, toi, je vais te prendre en croupe de ma jument, hein. Tu nous montreras le chemin. Allez, allez. Oh, il fait noir comme dans un four. Eh bien, docteur. Eh bien, cette femme a été tuée raide. Oui, par deux coups violents en plein crâne. Portée avec cette espèce de marteau tranchant tombé près d'elle. Un seul aurait suffi. Oui, c'est un marteau de tailleur de pierre. Ah oui, abaillé. C'est un marteau, c'est de... L'homme d'en haut, le rôdeur, lui a coupé la gorge d'un seul coup de couteau. Pendant qu'il dormait très probablement. Le rôdeur? Oh, certainement pas un rôdeur, docteur. Pourquoi donc? Parce que la maison n'est pas pillée. Si on a tué pour voler, l'assassin savait l'endroit où ces gens-là gardaient leur argent. Il a été tout droit à la cachette du magot. Donc, il ne s'agit pas d'un traîneau ni d'un charretier de passage, mais d'un intime, voisin ou ami. Ah, ça saute aux yeux. Oui. Tiens, c'est vrai, l'armoire à linge, les coffres, le bahut, tout est intact. Nous avons même trouvé 2000 francs entre deux piles de draps, là, dans cette armoire. Un cambrioleur aurait commencé par la vider sur le plancher. Mais bon Dieu, mais où donc est Jean? Quel Jean? Le Jean Desplat, le fils cadet. Il habite ici? Et bien sûr, au premier, la chambre en face de celle de son père. C'est lui qui fait tout le travail, maintenant. Ah, oh, ça, par exemple? Vous auriez pu le dire plus tôt. Ah, je m'excuse, mais avec cette histoire, moi, j'y suis plus, vous savez. Ah, oh, mon Dieu, ce pauvre Jean, ils ont dû le tuer aussi. Mais ça ferait trois. Mais non, on aurait retrouvé son corps avec les autres, voyons. Nous avons tout fouillé, jusqu'au commun, l'écurie et la grange. Non. Lui, il a pu se sauver à temps. Comment il est, ce garçon? Petit, grand? C'est un colosse. Il vous soulève le cul d'une charrette à lui tout seul. Malheureusement, il est fou, tout comme, quoi. Il boit? Ah non, c'est pire. Des colères terribles comme ça, tout d'un coup. Terrible, vraiment? Ah, tout le monde en avait peur. Il se connaissait plus. Sans motif? C'est difficile à dire. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'il y a, là, près de la porte? Où donc? Une lettre. Une lettre et cette enveloppe, cachetée. Adressée. Oh zut, elle est toute mouillée. Ah, c'est la pluie chassée par le vent. J'avais laissé la porte ouverte. J'ai filé comme si j'avais le diable à mes trousses. À Monsieur François Desplat, place de. De Caclair. Ça doit être Clermont. Ah, c'est Clermont, oui, place de Jaude. François, c'est le frère aîné de Jean, gros épicier à Clermont. Eh ben, je vais ouvrir cette enveloppe. Docteur, et vous, Baillet, vous êtes témoin, hein? Parfaitement. Oui. Bon. Adieu, François. Après, la pluie a tout barbouillé. Attendez, je crois avoir un mot. Misérable. Non, c'est plutôt misérable. Mais la fin est plus nette. J'emporte l'argent, tu auras la maison, tu auras les champs. J'embrasse Anna, Jean et Marguerite. C'est la femme et les gosses à François. Et c'est signé Jean. Oh, diable. C'est bien son écriture? Ah oui, autant qu'on peut le dire, hein, du moins, c'est tellement délavé par la pluie. Hein. Ah, eh ben vous voyez, j'avais raison. Double crime d'un intime qui savait où était le magot, d'un parricide, et ce genre est en fuite. Oh, nom de nom. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après cette lettre, maintenant, je peux vous le dire, brigadier. Oui. Moi, j'ai toujours eu le pressentiment que ça arriverait, une affaire comme ça. Tenez, je dois même avoir encore chez moi un bout de papier que cette pauvre Martine m'avait envoyé. Elle avait écrit... J'ai trop peur, Jean est capable de faire un malheur. Eh bien, le voilà, ce malheur. Un double parricide. Mais à propos, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure, Baillet? Moi, docteur? Oui, je vous demandais justement le motif des violences de ce Jean Desplat. Vous m'avez répondu, c'est difficile à dire. Ah, mais c'est vrai, oui. Alors, Baillet? Son père lui refusait une avance de sa part d'héritage, alors qu'il avait doté François, son aîné. Bien, très bien, oui. Il en voulait... Qu'elle avait des amoureux. Ouais, dont vous. Ah, j'étais pas le seul. Après tout, dites-moi, vous le diront demain, Jean, il devenait fou parce qu'il était jaloux. Jaloux de son père, jaloux des galants de sa mère. Bon Dieu, il en était amoureux? Tout le monde le croit. Sacristie. Le complexe d'Édipe. Ça y est, un superbe complexe d'Édipe. Un quoi? Un complexe, oui, le mot est tout nouveau, mais la chose est vieille comme l'humanité. Le malheureux souffrait d'un complexe d'Édipe. Dans ce cas-là, brigadier, on se sent irrésistiblement poussé à haïr son père, par amour pour sa mère. Oh, dis donc. En voilà une sale maladie.
Ça se soigne? Cette affaire de Boisgrand est splendide, brigadier. Hein? N'y voyez pas un drame vulgaire basé sur la simple cupidité paysanne. Non, 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 c'est une tragédie. Ah, oui. L'homme n'a pas changé depuis Sophocle et Euripide, voyez-vous. Ni le destin, hélas. Ouais, possible, possible, mais tous ces trucs-là mis à part, je trouve l'affaire toute simple, moi. Cette lettre d'aveu va être soumise aux experts. Si elle est bien de Jean Desplein, nous en conclurons qu'il est deux fois parricide. En attendant, je vais commencer par envoyer son signalement partout. Il ira pas loin, soyez tranquille. Monsieur François Desplat. C'est moi. Monsieur le procureur de la République va vous recevoir. Merci. Si vous voulez bien. Pardon. Je vous présente mes respects, monsieur le procureur. Et je vous remercie d'avoir bien voulu me recevoir d'urgence et sans rendez-vous. Cela, cher monsieur, le petit mot sur votre carte de visite n'y est pas étranger, je l'avoue. Vous êtes bien François Desplat, le propriétaire des grandes galeries de Clermont? Oui. Ah oui. Et vous auriez le désir de voir rouvrir une enquête sur une affaire criminelle, qui date de plusieurs années, sans doute. Oui, de 14 ans, monsieur le procureur. Ah, 14 ans. Oui, 14 ans. Et il va y en avoir 11 que mon pauvre frère Jean Desplat aura été condamné à mort pour double parricide de son père et de sa mère, en 1904. Comment? Voyons, vous me dites bien en cet instant, monsieur Desplat, que vous êtes, vous, le frère d'un condamné à la peine capitale? Oui, oui, par contumace. Excusez ma surprise. Bon. Alors? Eh bien, j'ai reçu hier une lettre anonyme. Cette lettre affirme que si l'on fait des recherches dans un étang tout proche de la ferme du Boisgrand, où habitaient mes malheureux parents, on y découvrira les restes de mon frère Jean injustement condamné. Alors qu'il était tout simplement la troisième victime de cette horrible tuerie. Mon Dieu, je me souviens de cette tragédie. C'est bien ce qu'on avait appelé à l'époque le mystère du Boisgrand. Oui, justement, monsieur le procureur. Mais, cher monsieur, je ne voudrais pas vous décourager, mais un corps immergé depuis 14 ans, si corps il y a, doit être difficilement identifiable. Et la lettre prévoit cette objection. C'est une femme qui l'a écrite. Elle dit ceci, monsieur le procureur. Même s'il ne reste du corps de Jean que le squelette, on retrouvera sur lui sa montre d'argent que l'assassin a oublié de prendre, et probablement sa ceinture de cuir qui attache à son cou une grosse pierre. Il a été tué d'un coup de couteau dans la poitrine. Et quelqu'un vous écrirait cela au bout de 14 ans? Avec des détails ne pouvant être connus que de l'assassin. Ou d'un complice ayant participé directement au crime. C'est bien incroyable, vous le voyez. Mon seul espoir est que cette lettre soit une dénonciation de femme jalouse, enfin celle de l'assassin, ou d'un complice de l'assassin. Tiens, oui. Voulant se manger de son mari. Oui. Enfin, je n'y avais pas songé, mais l'hypothèse est séduisante. Évidemment, une femme jalouse est capable de tout. Et même de choses absurdes, ahurissantes. Un simple exemple, tenez. J'en connais une qui s'est suicidée après un camouflage soigneux et réfléchi de ce suicide en meurtre. Et cela uniquement, vous entendez, pour faire couper le cou à un époux volage. Alors, monsieur le procureur? Eh bien, écrivez-moi une requête en règle, et d'ici 15 jours au plus, on assèchera cet étang de Boisgrand, monsieur Desplat. Merci, monsieur le procureur. Ben dites donc, si je me trompe pas, vous êtes bien le brigadier Perron ou... Tiens, mais je vous ai certainement vu quelque part, monsieur. Ah oui, Baillet. Je me nomme Louis Baillet, brigadier. Ah, par exemple. Ah, bien sûr, c'est vous le voisin des Desplats qui êtes venu donner l'alarme à la gendarmerie. Voilà, oui. Après, vous m'avez pris en croupe et nous sommes allés à Boisgrand. C'est moi qui étais à l'origine de cette histoire, quoi.
Ah, je suis bien curieux d'en voir la fin. Ah, ma foi, ce jour-là, avec vous et le docteur Vergne, j'ai bien cru qu'on avait démêlé l'affaire du premier coup. Oui, et vous le croyez plus? Ah ben, ça dépend de ce qu'on trouvera ou de ce qu'on trouvera pas dans cet étang. Oui, c'est curieux qu'à l'époque, on n'ait pas pensé à y regarder. Pourquoi l'aurait-on fouillé? On était persuadé que ce Jean était l'assassin. Bon, un assassin peut se suicider quand il croit n'avoir aucune chance de s'en tirer. Hein? Vous pensez, vous, qu'il a pu se jeter là-dedans avec une grosse pierre attachée au cou par sa ceinture? Moi, si je voulais me noyer, c'est une précaution que je prendrais. Et vous vous donneriez aussi un grand coup de couteau dans la poitrine? Ah non, non, pas les deux. Parce que on parle d'un coup de couteau dans la lettre anonyme? Oui. Ah bah tenez, le voilà déjà à moitié vide, cet étang. Ah bah ça va plus vite que je pensais. Bah, après 14 ans là-dedans, les carpes auront tout mangé, hein, sauf les os. Alors, comment prouver le coup de couteau? C'est-à-dire qu'il ne s'est pas suicidé? Ça laisse des traces que dans la chair, un couteau, et s'il n'y en a plus. Mais dites donc, vous raisonnez aussi bien qu'un avocat, Baillet. Ah, oh, vous pensez que j'y ai songé à cette affaire depuis 14 ans? Mes voisins massacraient une nuit à 800 mètres de chez moi. C'est une chose qu'on risque pas d'oublier, vous savez. Ben, vous auriez dû la communiquer à la justice, votre idée du suicide de Jean. Oh, vous savez, il n'y a pas longtemps qu'elle m'est venue, quand on a parlé du corps dans cet étang. Tout le monde s'est mis à dire, s'il y est, c'est qu'il n'est pas le parricide qu'on croyait, ce pauvre Jean. Moi, j'ai pensé tout de suite, qu'est-ce que ça prouve? Rien du tout. Un grave violent comme lui, mais pas méchant, hein. Quand il a vu ce qu'il a fait, il allait se flanquer à l'eau. Pas bête, ça va y être. Pas bête du tout. Et je m'explique maintenant, tenez, des précautions que je trouvais bizarres. Aussitôt le corps trouvé, je dois le faire transporter le plus vite possible à Clermont. C'est sûrement pour vérifier, avant corruption, par le contact de l'air, la vase conserve, paraît-il. Qu'il y a bien eu coup de couteau? En ce cas, on rouvre l'enquête pour trouver le triple assassin. Oh, l'assassin d'il y a 14 ans, depuis le temps, il a dû faire du chemin, s'il court encore. Non, si c'est un autre que Jean, et nous le saurons avant un quart d'heure. Tenez, regardez, regardez, on commence à voir le fond. Si c'est un autre que Jean, il est resté sur place, ici. Ici? Ben, vous avez oublié, ça ne peut être qu'un intime des Desplats. Ça, c'est vrai. On avait dit ça. Moi, j'avais dit ça. Et soyez tranquille. Dès l'autopsie, un coup de téléphone, et je serai pas long à arrêter le scélérat. Ah bah alors, vous m'épatez, vous. Après 14 ans passés, moi, à votre place, je serais moins optimiste. Attendez une seconde. Hé, hey, commencez, vous, là-bas, dans le coin presque à sec, à votre gauche. La partie profonde, c'est de l'autre côté. Ah oui? Oui, après tout ce temps-là, si j'en étais chargé, moi, de cette enquête, je me gratterais la tête en me demandant par quel bout la reprendre. Ah, c'est parce que vous n'êtes pas du métier, Baillet. Ouais, bien sûr. Oh, vous connaissez une immensité de trucs scientifiques, regardez. Ainsi, tenez, le coup que la vase conserve, j'aurais pas cru. Pour rouvrir l'enquête, on a besoin de trouver le corps. Mais pas pour la faire. On a la lettre, ça nous suffit. La lettre anonyme? Oh, elle ne sera pas longtemps anonyme. L'écriture n'en est même pas déguisée. Les experts vont nous retrouver la scriptrice en moins de deux. La script? Oui, enfin, celle qui l'a écrite, quoi. Et j'arrêterai son mari, l'assassin. Ah, parce que vous croyez que c'est la femme de l'assassin qui l'a expédié à François Desplats, cette lettre? Pas possible, pas ça, alors. Bah, et qui d'autre aurait pu donner des détails que seul l'assassin connaît? Qui d'autre qu'une femme jalouse aurait eu cette idée, 14 ans après un crime auquel personne ne pensait plus? Ah ben... Ben, brigadier, vous avez raison, comme dit la chanson. Oh, les femmes. Ce qu'elles nous en font voir, hein. Regardez. Là, un pauvre assassin dénoncé par la sienne. Et pourquoi? Peut-être tout simplement parce qu'il a engagé une petite bonne trop mignonne, ce qui ne plaisait pas à cette vieille taupe, hein. Une petite bonne? Pourquoi une petite bonne? Oh, moi, ouais, je dis ça, une hypothèse comme une autre, quoi. Tiens, mais c'est peut-être... Mais oui, ça y est! Oh, mais ça y est, bon Dieu! Oh, l'ambulance! Avancez par ici! Dites-nous, et vous, si vous pouvez nous donner un coup de main, là, voyez? Hé! Hey, mais, tiens... Mais où est-il passé, celui-là? Monsieur le procureur, c'est le brigadier Perron. Ah bon, faites entrer. Monsieur le procureur? Alors, vous l'avez? Oui, mais suicidé, monsieur le procureur. Ah. Ça m'est arrivé pour les trouver pendus, lui et sa femme, à une poutre de leur grange. Baillé depuis peu de temps. On a essayé avec le collègue de le ranimer, mais c'était trop tard. Dommage. Et j'ai trouvé ceci dans la poche de son veston, monsieur le procureur. Une lettre pour moi. Ah, pour vous? Hey, un drôle de type, monsieur le procureur, ce Baillé. Malin comme un singe et rusé comme une potence. Et quand je pense au toupet infernal qu'il a eu de venir assister avec moi à la fouille de l'étang... Le toupet qu'il a perdu, Brigadier.
Merci. Voyons ce testament d'assassin. Il y a 14 ans, c'est ma femme, Victorine, qui a tout fait. La nuit du 21 décembre, elle a été tapée à la fenêtre de la Martine après avoir mis mes vêtements. Martine a ouvert. Victorine l'a tuée net d'un seul coup de marteau au moment où elle se penchait. Ouais. Elle a couru ensuite tuer les deux autres dans leur lit. Je suis arrivé quand tout était fini, moi. Bien entendu, il met le triple meurtre sur le dos de sa femme, ce bailli, c'est trop commode. Ah oui, monsieur le procureur. Voyons, je continue. Je l'ai seulement aidé à trouver 1000 louis. La pauvre Martine m'avait fait confidence de l'endroit où elle les cachait. Tiens, voici tout de même un aveu. Hey. Ce qui porterait à faire croire le reste, d'ailleurs. Et aussi à porter le corps de Jean jusqu'à l'étang. C'est Victorine qui a fabriqué la lettre de Jean à François après avoir bien travaillé à imiter l'écriture du premier. Mais comme elle n'était pas sûre d'y avoir bien réussi, elle a mis la lettre sous la pluie. Ensuite, je me suis occupé à égarer la police et à aiguiller l'enquête sur une fausse direction. D'abord, Victorine était ma femme. Ensuite, c'était un tel monstre qu'elle m'aurait accusé, moi. Et on m'aurait coupé le cou sans aucun doute, bien qu'innocent. J'ai voulu vous tirer les vers du nez à l'étang, mon cher brigadier, mais j'ai eu la langue trop longue. Oui. Comme je vois que vous commencez à courir les petites bonnes des environs pour trouver celle que j'ai voulu embaucher il y a 15 jours, je crois qu'il est temps de m'en aller. J'emmène avec moi la Victorine. D'abord, elle ne l'a pas volée, et j'ai toujours aimé la justice. Ensuite, moi décédé, elle m'aurait aussitôt chargé de son triple crime. Donc, la connaissant, j'ai pris la précaution de la suicider la première. Oh. Voilà notre enquête terminée. Adieu donc, votre dévoué assassin innocent, Louis Baillet. Ah. Oh, ça, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, brigadier? Oh, monsieur le procureur, moi, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il dit la vérité. Ah, je regrette bien d'être arrivé trop tard. Non, ne le regrettez pas trop, tout ce qu'il affirme. Il n'en aurait rien pu prouver. Et puis l'exposé de la marche de l'enquête devant un tribunal, ça... À mon avis, cela aurait plutôt diminué qu'augmenté le prestige de la justice. Vous ne croyez pas? Si tel est votre avis, monsieur le procureur... Eh oui, car enfin, si l'on y réfléchit, on s'aperçoit que c'est un des deux assassins qui l'a faite, cette enquête. Mmh. Eh oui, de bout en bout. C'est lui qui va chercher les gendarmes, oui. Se fait ramener par eux sur les lieux du crime, oui. Leur indique les victimes, discute les hypothèses, les aiguille sur une fausse piste irréprochable et s'en va tranquillement. Jusqu'au jour où il décide d'exécuter sa complice, puis lui-même. Et si Victorine n'avait pas détesté les petites bonnes, pour des motifs assez valables vraisemblablement, qu'aurions-nous jamais su de ce crime parfait, mon cher brigadier? C'était Le mystère du Bois Grand, une histoire criminelle de Jean Bommard, avec Suzy Prime dans le rôle de la belle Martine et Hubert Deschamps dans le rôle de Louis Baillet, avec Roger Carrel, Henri Virlogeux, Paul Fèvre, Ginette Franck, Geneviève Morel, Fernand Rosena, Raymond Pellissier, André Vasselet, Yves Duchâteau et Jean Touloup, le procureur. Prise de son, Jean Godet. Opérateur, Charles Marier.